Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope pour ce vendredi ainsi que ce week-end, donc le 30 septembre. Et puis bien sûr, demain, nous serons samedi le 1er octobre 2022. Donc ça y est les amis, on rentre dans le mois d'octobre. Oh, j'ai oublié de faire le coucou aujourd'hui. Bon, désolé, c'est pas grave. Allez, voili voilou les amis, ça y est, on est au week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va les découvrir ensemble. Donc, le message pour chaque signe. Alors, vous inquiétez pas, hein, veuillez m'excuser, mais je me suis enlevé mon vernis. Hein, comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'avais du vernis rouge. Pourtant, j'avais mis du protecteur. Et je sais pas, ça ne devait pas être une bonne marque, le protecteur. En tout cas, ça ne m'a pas protégé les ongles. Puis, effectivement, du coup, maintenant, ça me fait rouge. Enfin. Ça fait moche. Bon, enfin, bref, voilà. Bref. Bon, alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. D'accord? De Dorine Vertu, si ça vous intéresse. Et allez, on va aller voir l'énergie du jour. Donc, n'hésitez pas à aller voir les signes astro pour ce mois d'octobre. Hein, si vous avez pu remarquer, ils sont tous en ligne. Donc, je ferai un petit post pour faire passer le message au cas où que les vidéos ne soient pas remontées. Bon, allez, on va arrêter de parler. Allez, pour l'énergie principale. Pour ce vendredi, samedi, dimanche, du coup, 30 septembre. 1 et 2 octobre. Prochain Caféscope, le 3 octobre. Alors, nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, mais écoutez, hein, je pense que ça va être un week-end. Alors, je rappelle, ce sont des tirages des généraux, enfin des tirages, des messages. Excusez-moi quand même, c'est un tirage, t'as mis grand mot là. Ce sont des messages généraux du jour, d'accord, par signe astro, hein, mais ça reste quand même du général. Donc, le message ne peut vous, enfin, on peut vous parler ou ne pas vous parler, hein, d'accord. Donc en tout cas pour ce week-end, hein, il est question vraiment d'avoir des messages qui vont nous provoquer une émotion intérieure assez révélatrice. Oh, j'ai un petit moucheron. Je vais finir par le manger de bon matin, parce que je fais la vidéo les 5h du mat, donc bon, pour vous la mettre en ligne là, tout à l'heure, à 7h. Donc voilà, hein, donc on nous dit voilà que c'est peut-être cette personne. Hein. En tout cas, vous allez apprendre des messages révélant des sentiments. Alors peut-être que pour ce week-end, quelqu'un va venir vous révéler des sentiments. Sait-on jamais. Allez, du coup, on va être parti. Donc, j'espère que vous avez pris votre petit café, ou votre petit thé, ou votre petit jus d'orange. Ou rien du tout. Hein. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Allez, on est parti pour nos amis les béliers. Bonjour les béliers. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bonjour les taureaux. Choisir d'être libre, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Bonjour les taureaux. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler le véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité.
Bonjour nos amis les cancers. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Bonjour mes amis les lions. Nous avons le 9 de l'action. Vous avez la possibilité, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une vie de famille ayant chez vous, ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bonjour mes amis les vierges. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Bonjour mes amis les balances. Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montez et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oh là là, pardon. Excusez-moi. C'est dur de bon matin. Vraiment, pardon. Bonjour les scorpions. Nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet est un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre, rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bonjour mes amis les Sagittaires. Nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en rose, en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Attention à l'entourage. Bonjour mes amis les Capricornes. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous, les Capricornes. Bonjour, mes amis les Verseaux. Nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entourés d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, les poiscailles. Bonjour mes amis les poissons. Nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique les poissons. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce que vous attendez vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si vous gérez vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, c'est pas mon cas, je prends pas l'avion. Hein. En tout cas, ça parlera peut-être à certains petits poissons ou ascendants. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant aussi. Hein. Ça peut-être vous donner une petite information de plus. Ou votre signe lunaire, ou votre signe vénusien pour un petit message pour le côté sentimental. Voilà, voilà. Bon, vous avez pu remarquer que j'ai fait la coupe pour aller chercher le tirage des énergies principales. D'accord. Alors, quel est ce message ? Nous avons la reconnaissance publique. Félicitations.
Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Écoutez, moi, pour message conclusion magnifique, en tout cas pour ce week-end, hein, pour ce premier week-end d'octobre, et puis pour ce premier week-end aussi de... non, j'allais dire d'automne, mais non, c'était le premier, c'était le week-end dernier. Bref, du coup, pour ce deuxième week-end d'automne, au risque d'avoir des nouvelles, hein, pas mal de nouvelles, voilà, qui vont nous faire sortir certaines émotions. Alors, je pense plutôt sur le plan positif, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, hein, on nous dit bien qu'on est sous les feux des projecteurs, hein, pour ce week-end. Donc, profitez-en, hein, on vous félicite. En tout cas, vous avez bien... on a bien travaillé, excusez-moi, c'est vrai que j'aime bien m'inclure avec vous. Il n'y a pas de truc que ça soit vous et pas moi, hein, on est ensemble. Moi aussi, je prends les messages comme vous. Donc, voilà, on est reconnu pour ce qu'on a pu mettre en place. On est reconnu pour le travail qu'on a pu fournir. On est reconnu pour toute la patience qu'on a pu avoir à l'égard de certaines situations, de certaines personnes, d'accord. Voilà, pour certains, on peut être écroulé par le travail, hein, mais au contraire, pour moi, je ressens que vous avez beaucoup de démarches à faire par rapport à quelque chose, enfin une situation, un projet qui vraiment vous tient à cœur. Donc, même si vous êtes débordé de travail, ça sera toujours avec plaisir à partir du moment où c'est fait avec le cœur et avec l'âme. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos anges. Hein. On vous dit que vous êtes bien entouré, que vous êtes béni. On a quand même pas mal de cartes où on a la protection et la bénédiction. On a des cartes quand même d'accompagnement, de protection. Donc, vous êtes bien entouré. Hein, voilà, on a des nouveaux sujets qui vous passionnent. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, d'accord. Ou peut-être, voilà, comme je l'ai dit au tout début du tirage, une nouvelle rencontre, sait-on jamais. Pour certains, ouvrez le petit œil. Pour certains, il y a du pardon, hein, d'accord. Pour certains, on a du pardon. Mais on a beaucoup de... voilà. On est libre. Libre dans un projet, libre dans une situation, libre de faire ses choix. D'accord, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se souhaiter un bon... je regarde comment on voit. On dirait qu'ils sont jaunis au début. Vous voyez un peu jaune, mais en fait, c'est légèrement rouge et c'est trop manche. Donc, je vais aller arranger ça. Mais j'avais juste enlevé et juste mis du vernis un peu comme ça, protecteur, en attendant. Mais il faut que j'aille poncer mes ongles et tout pour enlever tout ça. Enfin, j'ai du boulot, vous vous en foutez, mais c'est pas grave, voilà, je raconte ma vie. Voilà, les amis, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Un petit coucou que j'ai pas dit au début de la vidéo, mais bienvenue à tous les abonnés. J'ai oublié de dire, c'est vrai, je vais mettre un petit post. Je vous remercie infiniment. Hier soir, j'ai passé la barre des 800 abonnés. Alors j'ai un de mes enfants qui suit avec moi parce que bon les deux autres ils sont grands, hein, ils sont plus à la maison, mais mon petit dernier il suit la chaîne avec moi, hein. Il me soutient comme je le dis toujours, c'est mon petit manager. Et hier soir on a fêté ça, petit apéro avec mon petit loulou, on a fêté ça, on a passé la barre des 800, donc je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, je trouve qu'on est une belle petite communauté. J'ai eu aussi pas mal de retours, donc je m'occupe ce week-end de répondre à tous vos messages, d'accord. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour vos pouces, pour vos likes, pour vos abonnements. Voilà, c'est génial, parce que sans vous, eh ben, on n'avancerait pas ensemble. Et moi, cette chaîne, je l'ai montée pour qu'on s'entraide, parce que vous m'aidez. Et je vous aide. Et voilà, si on avance ensemble, d'accord. C'est voilà, n'hésitez pas à laisser des retours en commentaire, que ça soit sur votre participation, sur votre partage du vécu, sur des conseils même à donner, sur d'autres commentaires ou même sur moi, d'accord. On est tous là pour apprendre, on apprend tous ensemble. Voilà, on est tous des petites lumières de notre âme, d'accord. Et moi avec. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier
Donc du coup, je me dis, waouh, quoi, bientôt les 1000. Bon, écoutez, n'hésitez pas à faire des petits retours aussi si vous avez des vidéos qui vous intéressent, des messages que vous aimeriez avoir, je sais pas moi, si vous avez envie de me donner des idées. Voilà, écoutez, bon, mais je referai un post pour vous dire que déjà tous les signes sont en ligne et puis pour vous remercier. D'accord? Parce que tout le monde ne va pas voir le caféscope. Donc, je préfère remercier partout. Alors, il vaut mieux que ça soit mis 50 fois que pas du tout. Voilà, allez, c'est fini. On est à 15, on arrive à 16 minutes. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, mais du coup, à lundi, les amis, pour le caféscope. Ok, peut-être des vidéos ce week-end, je ne sais pas, je vais voir. Ok, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce week-end. Grosse protection pour vous, d'accord. Plein de gros bisous. À lundi, les amis. Bye bye.